Hello, bonjour. First, I want to acknowledge that we're gathered here on the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. Canada's been through a lot of change over the last few years. Immigration's taken on renewed significance during that time. As we saw from the 2021 census in particular, Canada's population is aging. Immigration is now driving most of our population growth and labour force stability. L'an dernier, le Canada a accueilli le plus grand nombre de résidents permanents de son histoire. C'est en partie parce que nous avions besoin des nouveaux arrivants tant qu'ils ont besoin de nous. Our worker, and this is an important statistic, our worker to retiree ratio has dropped from 7 to 1 since I was born 50 years ago to nearly 3 to 1 now. If we don't welcome more newcomers, that number will approach 2 to 1 in the decades ahead, and that'll put our infrastructure and key programs like our healthcare and our education at risk. I'm pleased to share that Canada intends to maintain its target of welcoming 485,000 new permanent residents in 2024 and 500,000 in 2025. Starting in 2026, the number of newcomers we aim to welcome will stabilize at 500,000, allowing for a sustainable population growth. These immigration levels allow us to bring in the skills and talent we need to fill the labour gaps and ensure Canada's economic prosperities, help families reunite and remain a leader in refugee resettlement. They're keeping us with our long-term focus on economic growth, with roughly 60% of the permanent resident admissions dedicated to the crucial economic class. We're also committed to expanding efforts with key federal departments to align governmental priorities in our planning efforts in order to account for our capacity to accept, including immigration that is having pressure on housing. This approach will lay the foundation for more integrated planning and coordination as a country. While today's announcement is about permanent resident levels, a whole of government approach also means taking a close look at temporary resident immigration and making sure they align with our capacity to ensure sustainable growth. This is something we'll be looking at more intensely going forward. We've consulted widely on both the number of permanent residents in Canada and the number that we should welcome, and the balance between the categories of the newcomers. We look at perspectives and priorities of federal partners, regional representatives, Indigenous community stakeholders, as well as the general public. These immigration levels will help set the pace of Canada's economic and population growth while moderating its impact on critical systems such as infrastructure and housing. Ils maximiseront les avantages économiques et sociaux de l'immigration et les répartiront dans toutes les régions du Canada, y compris dans les communautés francophones à l'extérieur du Québec. À cet égard, j'aimerais souligner que nos objectifs de nous fixerons un objectif en 2024 de 6% de francophones en dehors du Québec, quitte à l'augmenter à 7% en 2025 et après cela à 8% en 2026. Ça va représenter, quoi qu'on mentionne le taux historique de 4% qu'on a atteint de peine des misères cette année, le double dans une couple d'années. Plus tôt cette année, mon ministère a entrepris un examen stratégique de l'immigration. En collaboration avec d'autres ministères, nous avons consulté des partenaires intervenant sur la façon dont les politiques, les programmes d'immigration au Canada peuvent appuyer une vision commune pour l'avenir de notre pays. L'une des principales conclusions de cet examen est la nécessité d'élaborer un plan de croissance complet et coordonnées pour l'entièreté du Canada. Under the plan, we will conduct skills missions abroad, importantly coordinated by a chief international talent officer, to find the workers we need. We'll work to align our immigration programs and services more closely to the current and future needs of our economy. I would stress that in following the announcement of yesterday on our strategic immigration review, what Canadians have been telling us is to plan a little better for the future of the country. We know these challenges and that these levels are essential because of the broad economic brushstrokes that I portrayed in the last few minutes. But what Canadians are telling us, what economists are telling us, is we have to dive into the microeconomic impacts of immigration. That means making sure our programs are properly tailored to what industry, what labor is asking us to do. And right now, I can't pretend that they are. Over the last year, we've made some changes. We've made some changes in the way we deliver our services. We've made
changes in the natures of the public policies that we deliver to Canadians. Canadians are telling us to get better organized, and do it with provinces and territories. That means, as I mentioned, it means we align more closely with our immigration with labour needs. Canada continues to suffer a significant shortage, for example, of construction workers. In 2022, the industry reported needing 95,000 more workers across the country as people age out of the industry. We believe newcomers are part of the solution for increasing housing supply in particular. Through our express entry program that we announced 3 months ago, for example, we're targeting candidates who can help fill labour shortages in the industry and build the homes that we've made ambitious plans for. L'une de nos grandes priorités est de stimuler l'immigration économique, évidemment. Nous savons que les entreprises à l'échelle du Canada ont du mal à trouver suffisamment de travailleurs pour occuper d'importants postes de vacants. Nous voyons également que des entreprises prospèrent lorsqu'elles embauchent de nouveaux arrivants qui possèdent des compétences et des talents recherchés partout au Canada et même partout dans le monde. IRCC's Immigration Levels Plan is tailored to support businesses in achieving their goals now and in the future. For example, thanks to the recent express entry changes, we've been able to invite more than 1,500 trades from abroad, including those who can help build new homes. IRCC also launched earlier this year the Tech Talent Strategy that included a stream for H-1B holders in the U.S. We're also acutely aware that many construction workers who immigrated, for example, to the Greater Toronto Area on temporary work permits later fell out of status and became vulnerable to exploitation, wage depression, and abuse. We've been bridging a number of these workers to permanent residency to support their future and ours. It's critical. This past week, I announced new measures to strengthen the temporary residency program for international students to support universities and colleges while protecting international students from bad actors and ensuring they set up for their success in their journey in Canada. We're also working to align our programs to attract students who can potentially transition to working, filling job vacancies in Canada after graduation, after consultation with those institutions and industry. Tout comme les programmes d'immigration économique du Canada contribuent à assurer la prospérité de notre pays, nos programmes humanitaires nous permettent de respecter des valeurs en défendant les droits et la dignité des personnes les plus vulnérables dans le monde. This past month, in the last couple of days, I announced the arrival and the resettling of 40,000 Afghans fleeing persecution and oppression 2 months ahead of schedule. Canada is also now a safe harbor for more than 200,000 Ukrainians and their families, members fleeing war from Russia, a nuclear aggressor. Canada also committed this year to providing humanitarian economic pathways with our key ally, the United States, for 15,000 people from the Americas, supporting them in starting a new life here and promoting safe and regular migration. This builds on the work that we're doing through the Economic Mobility Pathways Pilot, which helps skilled refugees immigrate to Canada through existing economic programs and connecting them with employers and qualified candidates. Tapping into these new talent pools not only benefits those seeking Canada's help, but also assists businesses across our country in reducing labour shortages and the skill gaps. In this moment of global crisis and deep uncertainty, Canada will continue to become a leader in refugee resettlement. En s'inspirant des leçons tirées de nos réponses aux récentes crises humanitaires, le ministère est en train de mettre sur pied un secteur des affaires internationales et de l'intervention en cas de crise afin d'être mieux positionné pour donner suite à nos priorités internationales et offrir une réponse souple et agile aux risques et aux crises de la migration. Nous élaborons également un cadre d'intervention en cas de crise qui comprendra un mécanisme d'évaluation pour indiquer quand déclencher une intervention rapide en matière d'immigration pour les personnes dans d'autres pays ayant un besoin urgent de protection. We will continue to engage with Canadians and improving our immigration system so that it remains fast, fair, effective, while supporting the country's priorities in the years ahead. I am now eager to take your questions. Je suis impatient, pas aussi impatient qu'Hélène Buzetti, mais je vais les prendre quand même. Pourquoi ne pas plafonner dès 2024? Parce que ça va continuer à augmenter encore 2 ans, alors que la crise du logement dont on parle beaucoup, c'est maintenant. Pourquoi donc continuer à augmenter pour 2 ans? Bien, la réponse, fort simple, aussi fort complexe. La réalité, c'est que ce n'est pas une équation linéaire entre la crise du logement puis le volume de gens qui deviennent résidents permanents. Un exemple tout bête, c'est que 35 % des gens sont déjà ici, sont déjà logés, puis ne
contribue pas nécessairement à la flambée des taux d'intérêt, comme on l'a vu la dernière année. C'est clair que le volume, c'est le volume. Et ce que j'avais dit, peut-être en anglais, je ne me souviens plus, mais notre façon de réagir en tant que département fait suite à des à notre réaction plutôt à des faits macroéconomiques, c'est-à-dire on sait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, on sait que la population est en train d'agir, il faut combler cette pénurie, mais on le fait pas de façon aussi intelligente qu'on devrait le faire. C'est le résultat du suivi qu'on a, puis la rétroaction qu'on a eue avec plusieurs membres, acteurs, intervenants, provinces, territoires. Puis mon point là-dedans, c'est que d'arrimer soins de santé, arrimer le besoin en logement, c'est regarder les deux côtés de l'équation. Trop souvent, on regarde les immigrants puis en se disant, eux, ils ont besoin d'un logement, eux, ils vont être un stress sur le système de santé, mais parfois, c'est l'inverse. Quand ce qui a trait aux gens qui vont bâtir les logements, les gens qui travaillent dans l'industrie de la santé. Ma collègue Sophie Châtel, il y a un hôpital dans son comté qui est ouvert uniquement à cause de l'immigration, puis les immigrants qui sont venus. Donc, c'est garder ça de façon minutieuse. Quand même à la conclusion qu'il faut plafonner. Donc, la question, oui. C'est pourquoi vous reportez cette décision à dans 2 ans? Bien, écoutez, je ne vais pas vous débattre si 15 000 de plus, 15 000 de moins. Il y a eu des débats au cabinet. Il y a eu des analyses qui se sont faites. Je ne pense pas que vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire qu'un 5 000 de plus, un 10 000 de plus, ça aurait fait la différence. La réalité, c'est que l'année dernière, on avait annoncé l'accroissement à 500 000. C'était suite à une discussion puis un débat de société qu'on a vu à travers le Canada quant au manque de gens au pays. De là à les réduire, ça prendrait un constat plus fort que de se dire, est-ce qu'on essaie de jouer avec quelques chiffres ici et là pour faire plaisir à un dialogue qui se tisse maintenant. Alors, pour nous, l'autre élément peut-être plus important, c'est que tous les acteurs dans la société, que ce soit les syndicats, que ce soit les employeurs, nous disent que le volet économique est immensément important. Or, c'est le volet qu'on contrôle le plus, parce qu'on peut contrôler le type de gens qui vont venir ici sur les différentes enveloppes de catégories où on accepte les gens au pays. Puis c'est des gens qui apportent du capital au pays. Alors, la réflexion selon laquelle est-ce qu'on devrait diminuer le PIB simplement parce qu'on a une espèce d'idée que ça pourrait avoir une pression sur le logement ou les soins de santé, je ne pense pas que c'était le calcul à faire. Bien, le plafonnement, ça… Sur je juste finir. Je sais qu'elle a fait 3 questions, mais en tout cas… Est-ce que vous ne répondez pas? Oui, non, mais la réalité, c'est plafonner, c'est pas une question de plafonner, mais c'est une question de stabiliser, puis de regarder, prendre l'année qui va suivre, regarder la rétroaction qu'on a eue au cours de la dernière année. Moi, étant ministre de l'Immigration depuis 3 mois, j'ai besoin de prendre l'espace pour le faire, et puis de voir s'il n'y a pas lieu de peaufiner nos chiffres encore plus. On sait que ce que les Canadiens nous ont dit, qu'on a besoin de certains travailleurs dans certains domaines. Il va falloir remédier puis remodeler nos politiques publiques. De les avoir plus tissés sur mesure sur les demandes des industries, des employeurs, des syndicats et des agriculteurs pour autant. Sur l'arrimage, vous avez accepté le principe finalement qu'il faut s'arrimer à la capacité d'accueil des provinces. Vous avez dit en chambre que vous avez consulté Mme Fréchette, mais elle dit qu'il y a eu des échanges administratifs, ce sont ces mots. Donc, en fait, attends, nos fonctions publiques… Je veux juste finir ma question. Excuse-moi. Merci. Mais elle dit qu'il n'y a pas eu de consultation politique entre vous et elle. Donc, pouvez-vous juste clarifier, l'avez-vous consulté et ou prévenu de vos propres chiffres? Puis, quand vous dites que vous voulez vous arrimer, vous annoncez vos chiffres aujourd'hui le même jour que Québec. Donc, cet arrimage-là, il ne se fait pas en amont, si je comprends bien. Cet arrimage-là, c'est maintenant qu'on a les chiffres, on va s'arrimer pour la suite. Pouvez-vous clarifier comment vous conceptualisez cet arrimage? Deux choses. Depuis l'accord Canada-Québec, qui date de 30 ans, le Québec fixe largement ses seuils. Est-ce que j'ai mon mot à dire? Moi, oui, j'ai mon opinion en tant que Québécois, en tant que ministre aussi. C'est la même affaire pour le Québec niveau politique. Évidemment, on sait très bien la politique et la position prise par le gouvernement du Québec vis-à-vis le seuil de 500 000. On le savait depuis un an. Oui, c'est vrai que nos fonctions publiques communiquent, la haute fonction publique communique de façon régulière, sinon quotidienne, avec Québec sur plusieurs enjeux, certains intéressants, certains pas d'autres. Mais si vous parlez pas de vos chiffres, c'est quoi cet arrimage-là? Bien,
dans plusieurs dossiers, évidemment, que ce soit dans les différents volets d'intégration, les défis face à la CSQ, les besoins de Québec en matière d'étudiants internationaux. J'ai eu la chance de parler à Mme Fréchette deux fois. On a parlé notamment d'étudiants internationaux. On a parlé de nos attentes en tant que gouvernement fédéral vis-à-vis l'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et oui, j'ai parlé, évidemment. Mais oui, j'ai parlé aussi de nos attentes et de ce à quoi on s'attendait en tant qu'accueil des familles et de réunification des familles. Donc, on en parle de niveau politique. Est-ce que je dis 500 000 à tout le monde à travers la province? Non, parce que ce serait violer le privilège du Parlement. Mais on parle. On est toujours. How do you expect these new targets to address or impact the housing affordability crisis? So in a couple of ways, and as I was mentioning to your colleague in French, it isn't a linear equation between the numbers coming in and the actual housing being needed. 35% of the people already being in this country already have the housing. Clearly, volume is volume. And as I've said, we've been looking at this in terms of macroeconomic brushstrokes, industry, Canadians, anyone we're talking to as part of our strategic review is telling us to dig a little deeper and to be a little more coordinated with provinces in the way we create those numbers, the way we fix those numbers, and certainly in the construction industry, particularly whether it's residential or commercial, we know that there's about 100,000 spaces that are going to be needed if we are going to be as ambitious as we say we are in the House of Commons about building all the houses that we need to build for Canadians to live in. That means more tailored approaches in the construction industry, as I mentioned yesterday in my press conference. What we're doing right now under express entry, making sure that we get people in the trades that can come in quicker and faster and actually get on the job sites, isn't enough. So finding a pool of talent here that perhaps has fallen out of status is one approach to it. Giving more points in the process that we accord for skilled trades as they come in the country is another approach. Looking at the international student pathways and looking at some of the trades coming out of there and making sure they get work permits is another approach. So what we're trying to do is react faster and more nimbly to the needs in actually building those houses. It would be remiss not to say that the economic pathway of people that come in, which is 60% of these volumes, is one that actually brings capital and helps build those houses. Clearly, also, there is the pressure when you look on the demand side from people coming here, but it's stuff we need to be a little more coordinated about. And when I'm saying this, and my only point in this is a lot more complex than saying volume is volume and one person coming in means they absolutely need a house right there and then. It's a lot more complicated than that, and it's hard to make that. In response to the housing crunch that we're facing. We are. I mean, what we said to ourselves is there a public policy and is there data to support increases? Much less than before, I would say. There is still that need, and I think the calculation we make that has risks and rewards to it is that were we to diminish in any area that we control, it would be more often than not in the economic categories that are so desperately needed by industry, by employers, and you just simply need to go out in the streets and talk to them that go through immigration. Is immigration an absolute response for everything? It isn't, and I think that's important to get from this press conference because we have to have some homegrown talent when it comes to something that's near and dear to my heart, Francophone immigration. Outside Quebec and the communities that are important to be revitalized. We've put some very ambitious thresholds, but immigration there isn't the response to everything. We need to get more teachers in there to teach French and make sure that those communities stay vital and part of the bilingual fabric of our country. So this is complex, but it's important to deal with it in that level of complexity and not just look at those high numbers that get a lot of get a lot of ink and get into the details. If that's the case, why aren't you trying to limit temporary residents more quickly? Because those are numbers that can be reduced. Yeah, and clearly, as you mentioned as I mentioned to you just earlier on, and as I announced last week, there's a number of broad categories, including international students, including temporary foreign workers. We are a country that has become quite addicted to temporary foreign workers with some perverse incentives and results that have been created, whether in the agricultural sector, wage depression, lending to abuse. The UN Special Rapporteur made some pretty damning conclusions about that. It cannot be the answer to everything. And when I was talking about the construction industry, there is a temporary foreign worker
aspect to that that is so critical to getting those builds done, but it can't be at the expense of good wages and perhaps pathways to permanent residencies. Those people building those houses have perhaps some hope that they want to be Canadian citizens, and we shouldn't deprive them of it. You spoke specifically about, you know, rough approaches and sort of putting a cap on things. It became quite evident when I started to look in detail at what the complexity is around international students, what a lucrative ecosystem it's become with fraud on the margins, including some really, really distressing trends of chasing after short-term gain for long-term pain, that we needed to tweak that. But as the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship, I have a couple of things in my own jurisdiction that I need to focus on first, which is the integrity of the visa system, making sure that we are cutting down outright fraud, but then working with provinces who actually have the jurisdiction and the capacity to clamp down on some of the really bad actors, to shut some of them down, but do that in a process that isn't turning off the taps right away with the impact and the economic impact that could have. Juste pour être clair pour la question tout à l'heure, est-ce que vous avez consulté Mme Fréchette à Québec sur les cibles que vous annoncez aujourd'hui? On s'en était parlé. C'est clair, comme je l'ai dit à votre collègue, que la haute fonction publique se parle assez régulièrement. C'est clair qu'ils se consultent et parlent constamment des niveaux et des attentes. On voit le Québec de façon publique militer. Écoutez, est-ce que c'était à la hauteur de ses attentes? Ce n'est pas la question que je peux répondre. Selon moi, on s'était parlé, évidemment, sachant publiquement la position de la CAQ sur les niveaux du Canada. Est-ce qu'il y avait lieu d'en consulter davantage spécifiquement sur ce chiffre-là? Ce serait une question à poser à Mme Fréchette, mais comme je l'ai mentionné, on s'était parlé de trois catégories spécifiques. D'un, l'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile. De deux, les travailleurs étrangers temporaires et la réunification familiale. Vous parlez d'ajuster le nombre de résidents temporaires. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Bien, d'abord, c'est important de comprendre que les niveaux que l'on annonce aujourd'hui ne touchent pas au phénomène croissant des travailleurs étrangers temporaires. J'ai annoncé la semaine dernière les débuts d'un plan d'action pour enrayer la fraude, notamment en ce qui a trait aux étudiants internationaux. Sachez que c'est devenu un système qui est très payant, surtout pour les provinces et les institutions qui ont été sous-financées par les provinces au courant des dernières années dans le domaine postsecondaire principalement. Mais c'est encore un enjeu qui est très complexe à régler, puis le faire d'un coup de marteau, ce serait difficile à faire, mais ce ne serait pas le résultat escompté. Je ne suis pas là pour ruiner le modèle d'affaires d'une institution qui a des étudiants étrangers dans leur modèle, mais en même temps, encore faut-il planifier pour l'avenir pour s'assurer qu'il n'y a pas des effets pervers qui se tissent. Ça, c'est en passant, il va falloir passer par un dialogue avec les provinces. Il y a certaines provinces qui gèrent leurs institutions mieux que d'autres. Le Québec en est un, la Colombie-Britannique en est un autre, mais il y a d'autres provinces qui ne font pas leur travail à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est à moi, M. Mark Miller, ministre de l'Immigration, d'être le ministre de l'Éducation postsecondaire et son sous-financement? La réponse, c'est non. Mais c'est un discours qu'il va devoir falloir avoir avec les provinces. Ça vous a pris 20 ans pour arriver à la cible 4,4%. Comment vous expliquez que vous voulez maintenant ambitionner pour 8%? Oui, vous avez... We got questions for everyone. Well, I'll stay. I've got all day. Allez-y encore. La raison, j'ai été ambitieux avec ces nouvelles cibles. L'augmentation de 4 % à 6 % c'est une augmentation à 50 % Le 4,4% qu'on a atteint l'année dernière, qu'on vient à peu près tout juste d'atteindre, quand même au mois de novembre, c'est pas rien, a été fait de peine et de misère. On a puisé dans notre inventaire pour favoriser les gens d'expression francophone. Et pour cause, là, on en a besoin. Est-ce qu'on a fait notre job comme du monde pendant les deux dernières décennies? Non. Et donc, moi, mon défi, ce n'est pas de fixer des cibles qui sont irréalistes, qui est à les manquer, puis tomber dans le moule des politiciens qui laissent toujours tomber quelqu'un, mais de faire quelque chose de réaliste, 6 %, de donner un coup de barre à mon ministère, de les forcer à dépasser.
leur façon de penser, puis de s'assurer qu'ils mettent en place les mécanismes pour accueillir les gens qui sont d'expression francophone. Et pour cela, ça prend des politiques tissées sur mesure. Est-ce qu'on s'en va en Afrique de l'Ouest pour s'assurer, d'un, qu'on continue d'éliminer le racisme systémique qui fait en sorte que moins de gens viennent? De deux, est-ce qu'on cible les enseignants pour s'assurer la pérennité du fait francophone en dehors du Québec? On est prêt à aider le Québec aussi, parce qu'ils ont besoin d'enseignants français. Est-ce qu'on établit des cibles et des pistes de solutions à l'intérieur des enveloppes des étudiants internationaux pour s'assurer qu'il y ait une voie à la résidence permanente s'ils parlent français puis qu'ils finissent leur diplôme? Toutes les possibilités sont ouvertes, mais ce n'est pas une question d'aller chercher, par exemple, une famille au Vietnam, de les mettre à Moncton, puis les demander du jour au lendemain d'être le porte-étendard du fait français hors du Québec. Là, c'est pas de la nature humaine, mais ça se fait comme projet de société. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé de ce défi, c'en est un gros, mais ce n'est pas une question simplement de mettre un chiffre pour faire plaisir à tout le monde, mais pour moi, un chiffre qui est réalisable. Moi, j'ai dit 6 % l'année prochaine, 7 % par après, et 8 % l'année suivante. Is the housing crisis the main motivator to stabilize those numbers? Today you're saying you're stabilizing the numbers. Is the housing crisis the main motivator behind it? So if that were the sole reason, it would be totally misunderstanding the challenges that I think we're facing as a country. We're facing so many challenges in different areas, shortages of labor, people. Any reduction is a net impact on the gross domestic product. Challenges in housing, obviously one. We have been very ambitious over the last few years as a government. Those numbers were needed, but now we have to take a look at them where we feel they are reasonable and plateauing in a space where we think it makes sense. And take stock of something that we haven't really done in the past, which is looking at healthcare needs, obviously provincial authorities, looking at areas in the construction trades that we need to fill gaps for, but also looking at their capacity to get those houses built. And I would say specifically in more remote communities, the ability to house workers that are actually themselves building those houses. So what Canadians have been telling us essentially is to get our acts together, whether it's provincial government, the federal government, municipal governments, and be a little more coordinated in the way we welcome immigration in various categories. And I think that's what we see as part of the strategic review. That's what we've looked at when we said to ourselves, are we in a position to increase? The answer was no. And do we have any form of luxury to decrease? And the absolute answer to that is no. Stabilize now and then increase down the line rather than wait till 2026 to stabilize and look at these issues. As I mentioned to your colleague, when we're talking about differences in about 15,000, and we don't have, I would say, sufficient fact-based evidence to say that would, one, make a difference in a very, very complex situation, because you spread 15,000 across the country, it's really a rounding error. And so I think it becomes and gets into a level of a different type of discussion. So too with any discussion about increasing, because we don't have facts necessarily to justify that would be filling particular gaps that we are looking for, despite several actors across the country looking for net increases in immigration. This has been a huge debate in Canada. I think the eyes of Canadians are more intensely focused on immigration. They're not xenophobic, but they're asking us to get a little more organized. And I think that's what we're trying to do today. Is it the end of the story? No, because we're going to have to take the next year and dive into some of the more microeconomic forces that are driving the sentiment that Canadians are expressing to us, and trying to fill them in a way that explains to Canadians what we're doing. On the temporary foreign worker issue, you said you didn't want to turn off the taps necessarily. Does that mean you're opposed to a cap? And if so, what does that mean? No, I mean, what do you mean by recalibrating? You have to look at the different categories of work permits that compose temporary foreign workers. Right now, we are conscious of a lot of challenges in a lot of areas, but they are also, again, folks that are in this country that are filling very important market needs. If you've heard one thing from my colleagues in my own home province, is the need to maintain more flexible approaches to temporary foreign workers. That worries me because of the impact that could have on those individuals themselves. During the pandemic, the first outcry from a lot of areas was to get those temporary foreign workers in, otherwise the crops couldn't get sowed and the work in the fields couldn't get done, as well as international students, which has become a challenge over the last
3 years, and it's one that has been growing. And so being smart about this is key, because if we take draconian actions without anything that's based on any sort of evidence, it'll have a whiplash effect that we don't intend to create. Sur les travailleurs temporaires, le Québec a fait des nouvelles demandes aujourd'hui assez précises sur la portion qui est gérée par le fédéral, le PMI. Donc, ce qu'ils demandent, c'est que, comme de leur côté, ils vont faire pour ce qu'eux contrôlent. Donc, ils veulent que ce soit maximum 3 ans avant que... sans qu'il y ait de tests de français. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Aussi, je vais juste insérer une autre question parce que j'en ai pas beaucoup. Vous avez deux, là. Alors, les réfugiés, le Québec dit qu'il en reçoit plus que le double. Alors, aussi, sur cette demande-là, où il demande de baisser significativement la portion qui s'en va au Québec, là, vous en pensez quoi? J'ai beaucoup de réflexions sur cette dernière question. Sur la première question, d'abord, tout le monde au Québec devrait apprendre le français, peu importe si ce sont des travailleurs étrangers ou des gens qui sont ici de façon permanente. Donc, ce sera à suivre. 3 ans, le français, c'est une langue très précise, très spécialisée, difficile à apprendre, difficile d'accès pour beaucoup. Je les encourage d'apprendre le français. Et on est prêt à appuyer le Québec. Sachez qu'on leur donne 700 millions par année, justement, en partie pour franciser, pour faire notre partie sous l'accord Canada-Québec pour franciser les gens au Québec. Alors, c'est une initiative que j'appuie. Encore faudra-t-il regarder les détails pour voir si c'est réalisable. Le deuxième point, oui, le Québec parfois cite des chiffres, et puis je ne veux pas leur enlever quoi que ce soit, mais il faut regarder une échelle un peu plus longue quant aux chiffres que Québec cite. C'est clair que depuis... depuis le flux migratoire, surtout à travers le chemin Roxham, qu'ils ont fait plus, qu'ils en ont assumé par rapport à la proportion du Canada, de la population qui sont dû assumer par rapport à ce que le Canada a dû prendre sur les épaules. Évidemment, je les appuie. Il y a des défis au niveau des demandeurs d'asile à travers le pays, puis ce n'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Là, comme vous le savez, on fait face à des pressions qui se présentent aux aéroports au lieu de notre frontière nord-sud. Et puis, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer comme pays. Tout ce qu'on demande, c'est au Québec de faire sa juste part. L'autre bémol que j'apporterais, c'est que, en partie de notre alliance avec les États-Unis, notre partenaire stratégique principal, économique principal, on a dans la foulée de la rencontre du premier ministre avec M. Biden, on a dit aux États-Unis qu'on allait accueillir 15 000 nouveaux arrivants, dont des Haïtiens. Alors, j'aimerais bien que le Québec puisse faire un effort supplémentaire à cet égard, puisqu'ils ont cette capacité d'accueil pour accueillir des gens d'expression française. C'est une discussion qui est à suivre, mais je ne veux pas enlever quoi que ce soit au Québec. Ils ont fait plus que leur part durant ces dernières années quant à l'accueil face aux gens qui traversent le chemin. Juste pour finir là-dessus, parce que ce que Québec dit, c'est que quand il y en avait beaucoup à Roxham, finalement, vous aviez accepté d'en encourager une partie à aller dans d'autres provinces. Et ils aimeraient ça que vous le fassiez encore avec ceux qui arrivent à l'aéroport. Là-dessus, est-ce que vous êtes ouvert ou ce programme-là de répartition est fini? Bien, on ne peut pas traiter des humains comme du bétail, c'est clair. Alors, ça prend le consentement de ces gens quand ils arrivent. Certains, une très forte prépondérance, ont droit au statut de réfugiés. Alors, c'est le principe de base. C'est clair qu'on peut être plus coordonné et c'est justement ce qu'on fait. Quant aux statistiques, je vous encourage de regarder une échelle de temps plus allongée, mais c'est clair que le Québec, au courant de l'année, des années où le chemin Roxham a été ouvert, a fait plus que ça, justement. The bulk of Canada's population growth is coming from non-permanent residents, the international mobility program, temporary foreign residents, international students. I just want to clarify, it seems like you're proposing there might be changes coming to some of those programs. Yeah, we're going to... How are those changes going to unfold?
In a number of ways. I mean, again, it depends on the work permit for which people come to Canada and the reasons for which they're here. Not all of them entitle people to actually stay here or even lead them to permanent residency in the first place. It's the nature of the temporary foreign worker that we have in parts of our industry and sectors, economic sectors, become addicted to. I think we have to have a conversation about that first and foremost, particularly in the area of wage depression, exploitations of humans, and some really awful reports that are coming out of the UN Special Rapporteur. Not all programs, not all farms are alike. Not all temporary foreign work is identical. Some is highly skilled. These are people that have a lot of mobility options. They themselves may not want to stay in Canada. Some international students come here to study and then go back in their country or soft ambassadors for Canada for the rest of their lives, just like a whole ton of cabinet ministers who have spent time abroad and have come back. That's an international phenomenon. In some sense, we actually compete for that talent, whether it's regardless of the sector. And I think that's important to remind ourselves. So these numbers don't translate on a net basis from one person coming into the country, regardless of the basis, to one person that'll need a house or one person that'll eventually stay. That just leads us to the conclusion, like in all this, that we have a lot of complex calculations that we need to make and measures that we need to adjust. And I think it sometimes is politically convenient to come out with a hammer type approach to something, but this isn't something that it's more of in the level of finer surgery that we need to adjust for. And that's something that is important in terms of the stabilization of the numbers, is we can now take the next year and see how we refine our policies and see how we perhaps have to tighten the screws in areas where there has been abuse, and that is happening more often than not in the temporary foreign worker streams. Juste pour revenir à la question de la francophonie, il y a un mois, vous disiez que vous n'étiez pas capable de... Vous ne pensiez pas être capable de maintenir le 4,4%. Maintenant, vous visez 8%. Qu'est-ce qui a changé, en fait? Ce que j'avais dit, c'est que, ayant été ministre de l'immigration et réfugiés, la souveraineté, uniquement depuis deux mois, il fallait avoir l'assurance de mon département qu'ils étaient en mesure de rencontrer le 4%. Il n'y a jamais eu des bons mécanismes au sein du ministère pour s'ajuster, pour s'assurer qu'on avait cette pérennité, peu importe le ministre, peu importe le parti politique. Là, on est en train de jeter les bases pour qu'on puisse rencontrer, d'un, le 4,4% pour cette année, de deux, le 6% pour l'année prochaine. Très franchement, je vous admets que je préfère ne pas rencontrer la cible de 6% l'année prochaine si j'ai les bonnes mesures en place pour pouvoir atteindre le 7% l'année prochaine, le 8%. Donc, je parle plus de pérennité au lieu de cibles qui sont des objectifs, oui, certes, mais d'abord et avant tout, les mécanismes en place pour s'assurer qu'on puisse avoir une politique publique qui accueille, par exemple, les enseignants d'expression francophone, les gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, des gens qui viennent du Vietnam. Il y a beaucoup de sources qui sont inépuisées pour l'instant. Puis j'ai oublié l'Europe aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas ce mécanisme en place, alors je n'avais pas la confiance. Maintenant, j'ai plus de confiance que je l'avais il y a une couple de mois, puis dans un an, j'espère plus. Juste une question, M. Miller. De façon générale, parce que le Québec a commenté vos cibles avant même que vous les dévoiliez. Qu'est-ce que vous pensez, de façon générale, des seuils globaux des deux années identifiés par le gouvernement caquiste à Québec? Est-ce que le gouvernement du Québec fait sa part? Est-ce qu'il complique votre tâche d'accueillir les immigrants? C'est une bonne question. L'accord Canada-Québec nous impose ce respect. Et puis moi, je le donne gratuitement. Je comprends le raisonnement. Il y a une certaine logique à s'assurer qu'une province qui a un sens de son économie, un espace très important dans l'allocation des chiffres qui sont de nature économique, le gouvernement fédéral a son rôle à jouer, mais je respecte leur démarche. Je comprends aussi, puis je l'ai suivi d'assez près, qu'ils ont fait une consultation publique cette année. Pour deux ans, selon nous, ça prendrait une étendue de temps plus élargie pour vraiment donner aux Québécois, aux Canadiens un sens de la direction. Mais c'est le choix du Québec et on le respecte. J'ai été assez public en disant que le Québec devrait avoir un effort supplémentaire quant à nos initiatives avec notamment l'Haïti et la réunification familiale, où je trouve le seuil est trop bas. Puis j'entends quotidiennement de mes commettants qui veulent voir leurs parents au Québec, leur appuyer dans leur famille
et pour la, la, leur santé mentale. Alors, je pense que ça va être un défi qui va être de taille dans les années à suivre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être réunis avec leurs parents. Ça leur cause un traumatisme psychologique très important. Et malheureusement, ça, ça, ça contribue aux délais qui sont... les délais qui sont anormaux au Québec par rapport au reste du Canada. One more question. Some may read into some of these announcements that the government wants to start to curb the trend toward two-step immigration, given the number of temporary foreign workers that come here and then apply for permanent residency. Is that your intention whatsoever? Yeah, I wouldn't say that is a, sort of a principled stated intention. It is clear that in some of the schemes that we are hearing from people that are entertaining false hope in some countries, that you come to Canada on a temporary basis, roll the dice, and perhaps you become Canadian. We have to be a little more clear that saying, for example, if you're an international student, you're there to study, it does not necessarily guarantee you a path to permanent residency, a job, or a Canadian citizenship. Now, the complete reverse of that argument is not necessarily true as well. I mean, the reality is we aren't here simply to get some $40,000 a year from people and see them fritter away and contribute their talents elsewhere. So if there's a market logic to keeping people, that should certainly be entertained and encouraged. But again, on the margins, there's been some abuse on that, and something we're trying to stem. It's going to require more than me. It's going to require provinces, territories, and the institutions involved to do this in a way that we get it right. I got to go. Thank you so much, guys.